بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، مزنمي مزنمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belle invocation et un excellent engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction et de tous les excellents comportements islamiques. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'entre directement dans le vif du sujet. J'ai choisi un échange entre un non-musulman, un mécréant, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou en Dieu des musulmans, pour ceux qui aiment se définir et définir les musulmans et leur Dieu d'une entité, comme une entité à part, avec quelqu'un qui est, lui, musulman, soumis à Dieu. Je vais vous lire l'échange, subhanallah. La dernière réponse du non-musulman vient de tomber. Donc, il y a 2 mois, à peu près, ce non-musulman est venu faire un commentaire sur une de mes vidéos. 2 mois après, il y a un musulman qui passe par là et qui lui répond. Regardez l'échange. Donc, sur la vidéo, Bismillah, on monte. Voilà. Donc, le monsieur s'appelle Dani. Donc, Dani nous dit, sur le nombre de pays musulmans, si l'islam était une religion valable, elle aurait déjà installé des paradis dans ces pays. Y a-t-il un seul pays islamique qui peut être montré en exemple? 3 points d'interrogation. On voit plutôt dans vos pays de l'inhumanité, des crimes barbares, du sous-développement, alors arrêtez votre prométhéisme. Prométhéisme. Dégueulasse. Quand on a le sida, on ne cherche pas à le transmettre, si on est humain. Donc là, le musulman vient lui répondre 2 mois après, et le musulman a comme identifiant, subhanallah, il n'existe qu'un seul Dieu. Il n'existe, E-X-S-I-S-T-E, qu'un seul Dieu. Donc le musulman, il met comme image du profil un bonhomme avec une belle barbe. Il nous montre la moitié du visage, mais avec la plus belle barbe du monde, la plus grosse, la plus bien fournie, mashallah, qui porte un Coran. Peut-être c'est lui, ou peut-être c'est un de ceux qui l'ont... Mashallah. Très bien. Donc, imaginez un non-musulman qui vient directement faire ce commentaire. Il est responsable de son commentaire. On peut comprendre son commentaire. Dans le monde actuel, on peut comprendre le commentaire. Et tel qu'il a grandi, tel qu'il a vécu là où il est né, et tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a endoctriné, et tout ce qu'il voit aussi dans les pays musulmans lui permet de faire un constat. Donc il n'a fait qu'un constat, attention. Et mauvais, bon, maladroit, il nous a donné le bâton pour le battre avec un argumentaire, pourquoi pas. Mais il a fait un constat, il a le droit. Voilà la réponse. Donc la réponse. Un pays qui pratiquerait la charia à 100%, l'Amérique et l'Europe, lui déclarerait la guerre. Et le prétexte serait, on veut imposer la démocratie. Sachant plus qu'il y a une tonne de fautes d'orthographe, subhanallah. Le pays qui pratique le plus de la charia, comme ça je lis, comme je vois, le plus de la charia, 70%, il met un pourcentage en plus, je ne sais pas quoi, à partir de quoi et comment on peut faire un pourcentage, il met, c'est l'Arabie. En Arabie, le taux de vol est le plus bas au monde. Le viol n'existe pas, encore X-S-I-S-T-E, ok?
les pauvres sont très rares, etc. Si un pays musulman installé, eux accent, comme tu dis, un paradis sur terre, terre, tout est faux, toute la planète, faux aussi, que des fautes d'orthographe, voudrait avoir le même état. Et alors la démocratie, entre parenthèses, loi des hommes, s'envolerait pour faire place à la charia, entre deux guillemets, les lois de Dieu. Et ça, c'est le cauchemar des gouverneurs, car ils seraient égorgés en place publique. Tu ne vois pas que les États-Unis et l'Europe ne font la guerre que aux pays musulmans? Ça, c'est la réponse. Dany, il lui répond encore, si un pays musulman installait un paradis sur terre, tout le monde voudrait le même état. Point d'interrogation. Plusieurs points d'interrogation. J'ai dû relire deux fois ton délire, car j'ai cru avoir mal lu. Mais l'islam t'a rongé le cerveau. Vis-tu en Arabie? Si ce n'est pas le cas, tu devrais plutôt y aller, lui aussi pas mal de fautes d'orthographe, tu devrais y aller pour être en phase avec l'admiration que tu portes à son régime, mais tu es sûrement comme tous ces muses qui ne vantent leur religion satanique et barbare, mais qui ne vivent pas dans des pays muses. Et le pire, tu es sûrement le premier comme toute la racaille en Europe qui brandissent les droits de l'homme pour réduire les peines quand vos racailles se retrouvent en case-prison. Si on suit ta logique, ces racailles devraient être sanctionnées selon la charia. L'Europe a compris que les arabo-muses sont des hypocrites, magouilleurs, pires que Israël. Il n'y a qu'à voir l'état de vos pays, des ruines depuis vos indépendances. Et cela surtout grâce à votre islam absurde et barbare. T'aurais pu mettre à cause plutôt. Non, c'est pas grave. Sauf s'il fait de l'ironie. T'aurais pu mettre à cause. Donc, identifions inexiste E-X-S-I-S-T-E, qu'un seul Dieu lui dit, allez, va niquer ta mère, sale mécréant. Je m'excuse, je n'aime pas ce type de phrase, mais je vous dis, je sais l'ouvrir. Pourquoi je vous raconte un peu l'échange? C'est qu'à un moment donné, il faut se remettre en cause. Donc, je vous donne la fin qui vient d'arriver, mais l'autre ne va pas arrêter. Dès qu'il va voir la réponse, il va venir. Dany, elle lui dit, être un mécréant et un complément, c'est pas un complément, c'est un compliment, il a voulu dire, venant de la bouche d'un porc qui se croit inspiré de Dieu. Être un mécréant et un compliment venant de la bouche d'un porc qui se croit inspiré de Dieu. Donc, Dany, s'il te plaît, va voir aussi ta civilisation orthographique, ta culture orthographique. Tu as des efforts à faire. Si tu ne maîtrises même pas la langue française, on écrit à l'écrit. On peut fauter. Je peux comprendre que dans l'oral, parfois, on peut commettre des fautes. D'accord? Il n'y a pas de problème. Avant, on s'arrête, parfois, on respire, parfois, on réfléchit, parfois, on revient à la charge, parfois. Mais on est à l'écrit. Habib, il y a quand même un minimum. Monsieur Dany, s'il te plaît. Donc, avant même de commencer à parler d'islam, Dany, ou d'écrire sur l'islam ou sur les musulmans, sur l'état pseudo-musulman, s'il te plaît, fais un effort sur ta langue natale. Maintenant, est-ce que c'est ça la réponse de quelqu'un qui parle de monothéisme au niveau de son identifiant? Il n'existe qu'un seul Dieu et qui nous brandit un Coran avec un bonhomme moitié visage avec la barbe. C'est comme ça. Donc ce monothéisme-là, cette unicité, ce tawhid, qu'on ne peut même pas voir, même de loin, dans ta manière d'argumenter, ou même, surtout, dans ton respect. Comment toi, tu oses, s'il te plaît, lui répondre? À un moment donné, rahimallahu abdan, dans ces terres-là, dans cette époque où chacun veut absolument défendre l'honneur de l'islam. On a aujourd'hui dit des gens extraordinairement à l'extrémité de tout, subhanallah. On a de tout vraiment dans tout. Et tout le monde veut défendre l'honneur de l'islam. Mais défends juste, s'il te plaît, juste défends-toi, juste l'honneur d'un minimum,
du comportement islamique, on doit, si tu arrives à faire ça, on serait les humains les plus heureux du monde. Qu'est-ce que tu as gagné donc finalement? Ça me rappelle, subhanallah, un qui est venu jouer. Le malin. D'accord? Qui est venu jouer le malin. En attaquant. Un autre vient l'attaquer. Il y a eu, subhanallah, minimum, 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 64. Minimum. Et à un moment donné, j'ai essayé de supprimer tous les deux. Réponse. Enfin. Et jusqu'à ce que ils ont commencé à attaquer les grands-mères, les pères, les mères, fils d'eux, je sais pas quoi. Parce qu'il n'a pas supporté qu'un vient le titiller de loin. Et lui, il vient attaquer, subhanallah. Les gens savent attaquer, mais quand on les touche de loin, hein, et c'est là où tu vois qu'ils ne défendent ni honneur, ni rien. Et déjà, comment vous osez, s'il vous plaît? Quelle que soit la mosquée, ou quelle que soit la personne, parler en l'honneur de l'islam, et ça, laisse-le pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah s'occupe de sa religion. Ouais, sauf au moins, un minimum ton honneur à toi. Cet échange-là, il donne quoi finalement? Wallah, tu aurais pu lui répondre autrement et tu l'aurais marqué à vie. Vous savez, les plus dangereux pour eux-mêmes sont qui? Ce sont ceux qui ne s'intéressent à rien, qui ont une insouciance par rapport à tout, qui développent une indifférence à l'infini et qui avancent comme des pires que les pires que les pires des créatures, subhanallah, sans jamais se remettre en cause jusqu'à leur mort. Mais quelqu'un qui vient dans une chaîne de dawa, de prédication islamique, de rappel, même quand il attaque, sache que c'est un début pour lui. Sache-le, apprends ça. Même quand il attaque, dis-toi, il est mieux lui, en attaquant, hein, en se manifestant, que celui qui est dans une insouciance à l'infini, subhanallah. Et qui vit mort, et qui est mort, et qui est mort vivant. Faut que tu lui répondes de cette manière-là. Ton argumentaire ne vaut rien. Tu lui as donné rapidement le bâton pour te battre. Et une fois qu'il t'a, hada, tu lui dis, allez, va niquer ta mère, sale mécréno. Donc, si quelqu'un voit ça, hein, toi qui as voulu défendre l'honneur de l'islam, si quelqu'un, quel qu'il soit, quelle que soit sa race, sa religion, son cheminement, son âge, son expérience, son inexpérience, quand il voit ça, que ce soit un monsieur qui se définit comme ça, ou qui définit sa chaîne comme ça, et en plus, il brandit un Coran, avec en plus, mashallah, si c'est toi la photo, plus 50 ans, une barbe presque blanche. Qu'est-ce que les gens vont dire? Vont dire, oui, mais à bon moment, toi-même, tu avais dit le culte du regard des autres. Mais c'est pas ça, l'argumentaire n'est pas le même. Là, les gens vont voir celui qui se définit comme musulman et celui qui n'est pas musulman, c'est son droit. Il a développé un raisonnement, c'est son droit. Par rapport à des observations, c'est de son droit. Biaisé ou pas biaisé, ce n'est pas le problème. Non, tout l'argumentaire ne tient pas. Tout l'argumentaire, il n'y a pas de problème avec ça. Tout l'argumentaire ne tient pas. La vie lui apprendra, Inch'Allah. S'il est sincère, il apprendra. Il n'y a pas de problème. Mais tu lui dis, va niquer ta mère, sale mécréant. Allez, va niquer ta mère, sale mécréant. Toi. Ah, vous êtes les amis, je vous dis, tous ceux-là qui, islam authentique, nous l'islam, le nord de l'islam, nous les musulmans, arrête s'il te plaît. Je vous dis, moi franchement, wallah, ça vous fait mal, naam. Ce type de discours, vous ne le supportez pas, naam. Habibi, regarde, va apprendre, d'accord? Et va surtout travailler sur toi-même et défendre ton honneur à toi. S'il y a un minimum d'honneur en toi, essaie de te faire grandir un peu, s'il te plaît. D'accord? Wallah, je vous dis franchement, des gens comme vous, n'ont strictement, strictement, strictement le droit de prendre la parole. Non pas, ni par écrit, ni par oral, ni rien. Vraiment, ça n'a rien à voir avec une science ou pas une science. Ça n'a rien à voir avec transmettre de moi ne serait-ce qu'un verset. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Ne le prends pas comme ça. Toi, Habibi,
Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas vivre en société, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Donc déjà, il te faudra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, juste pour que tu sois au minimum potable, au minimum palpable, au minimum touchable, hein, au minimum fréquentable. D'accord? Il faut un minimum. Sinon, on arrive. Tu ne peux pas, Habibi. Tu ne peux pas. Au lieu de faire élever, tu descends. Et là, tu ne supportes pas, toi, à titre personnel, la responsabilité. Tu ne la portes pas à titre personnel. Tu la fais porter aux musulmans. Et ce sont aujourd'hui les musulmans, je vous dis, ce sont les musulmans ou des musulmans, le plus grand danger pour l'islam, même si je n'aime pas ça, pour l'humanité, pour les musulmans. Je répète. Aujourd'hui, notre problème principal à nous, c'est les musulmans, ou ceux qui se prétendent pour des musulmans, ou ceux qui ont laissé croire à Dani que les pays musulmans, c'est des pays musulmans. D'accord? Donc, malheureusement, aujourd'hui, les gens ont peur de l'islam. Pourquoi? Pour n'importe quel humain, quel qu'il soit, à partir du moment où il voit l'islam tel qu'il est, tel que Allah le décrit dans le Coran, tel que la Sunna le décrit, tel que la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, elle l'a porté, elle l'a vécu, d'accord? Elle l'a appliqué, tel que la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu, l'a appliqué. N'importe quelle personne dotée d'un minimum de sincérité ne peut pas dire autre chose que je suis soumis à Allah. Et je ne peux pas être autre chose que soumis à Allah. Le malheur, c'est que les fiascos des musulmans, les erreurs gravissimes des musulmans, le fait qu'ils n'ont rien à voir avec le strict minimum de l'humain, subhanallah, avec le strict minimum de l'enfant, même l'enfant, l'enfant avec son innocence pure, subhanallah, aujourd'hui, les musulmans n'atteignent même pas 1% de n'importe quel enfant aujourd'hui sur Terre, qui peut être maladroit, qui peut ci, qui peut ça, subhanallah. Donc, na'am, après, la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est haïe. Se trouve laide, se trouve dégueulasse, comme il dit. De par quoi? Et à cause de quoi? À cause des pseudo-musulmans. Parce que lui, que tu traites de sale mécréant, lui est logique. Il a un minimum de logique. Tu sais la logique, quoi? Dans ce message, il a perdu sa logique, le pauvre, malheureusement. Il a été parasité. Mais, dans sa logique, c'est quoi? C'est que l'islam est parfait alors. Le musulman qui le porte doit au moins tendre vers la perfection. L'endroit dans lequel le musulman vive, il ne peut être que exemplaire. C'est logique. Sauf qu'il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe après? Et qu'est-ce que c'est que l'humain? Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui celui qui se définit comme musulman? Et qu'est-ce que c'est qu'un État aujourd'hui qui se définit comme un État islamique ou musulman? Tout ça, lui, ne connaît pas encore, n'a pas encore le bonheur et l'honneur de connaître. C'est comme moi, quand je dis, quelqu'un qui a grandi toute sa vie à entendre parler du bouddhisme et de la bouddhia comme quelque chose d'extraordinairement mauvais, d'extraordinairement malsain. D'accord? Ben, il a ça en lui, c'est un endoctrinement qu'il a. Tu ne veux pas lui dire, toi, pourquoi tu dis ça? Et il est endoctriné depuis qu'il a ouvert ses yeux dans l'islam, il sait que ça vaut rien. Allez, voilà. Donc c'est la même chose pour ce monsieur, Dani. Dani, il a grandi, il a vécu dans un monde où il ne voit que les pires atrocités, les pires bassesses, la pire sauvagerie, la pire férocité, hein, la pire situation, les endroits les plus corrompus de la terre. Il voit ça comme lié à l'islam. Donc c'est normal, Habibi, tu ne dois pas être étonné. Le monsieur là qui est venu lui dire ça, là, je ne sais pas quoi. Tu ne dois pas être étonné, Habibi. À un moment donné, tu dois savoir le prendre. Tu dois échanger avec lui. Tu peux même, si tu veux même absolument casser son orgueil, il y a une autre manière. Là, tu baisses le niveau. Tu baisses le niveau vraiment. À l'infini, subhanallah, dans les pires abîmes,
d'ouvrir vos bouches, s'il vous plaît, vous et vos claviers. Sorry, stop! Stop, somme, allez, jeûne le clavier. Pour te rencontrer avec toi-même, tu es des dégâts et des dégâts et des dégâts infinis. Tu ne connais que la violence verbale, la méchanceté, la pourriture de l'esprit, avec rien que ce qui marche. Ni culture, ni intellect, ni langue, ni français, ni grammaire, ni manière de vie. Arrêtez, s'il vous plaît. Remettez-vous en cause. Là, c'est quelqu'un qui vous connaît parfaitement. Moi, je vous connais, les amis. Vous allez la faire aux autres. Et moi, je vous connais, les amis. Les musulmans, moi, je les connais, les amis. La banlieue, je la connais. Ceux qui la peuple, je les connais, j'habite moi-même en banlieue. La famille musulmane, je la connais. Ces passages, je les connais. Skélé, je le connais. Les pays musulmans, je les connais, je viens d'un pays musulman. Je ne suis qu'un sale blédard, comme vous dites. Donc, tu as voulu défendre l'honneur de l'islam, voilà ce que tu as fait. Vous allez voir, il va venir. Et ils ne vont pas s'arrêter. Lui va attaquer, Dani va l'attaquer, l'autre va attaquer, et je vais devoir les dégager tous les deux. Malheureusement, je vais devoir dégager qui? Qui? Celui qui a baissé le niveau. Tu aurais pu continuer avec lui à échanger dans la joie et la bonne humeur. Tu aurais pu utiliser juste un mot qui aurait pu vraiment le débloquer. Une manière de faire. Lui dire peut-être, pour une fois de sa vie, voilà, tu rencontres un musulman. Peut-être tu n'as pas eu l'honneur de les rencontrer, tu n'as pas eu l'honneur de les côtoyer, tu n'as pas eu l'honneur d'entendre parler d'eux. Voilà. Moi-même, si tu as attaqué, même si ton message était bas, était mauvais, était insultant, était malhonnête, était injuste, naam, était biaisé, naam, était endoctriné, toi aussi tu es très endoctriné, tu aurais pu lui répondre gentiment et intelligemment. Et là, peut-être, tu changes tout, subhanallah. Bon, ben, je vais vous mettre le titre, alors. Mais allez, Abou-Mama provocateur, Abou-Mama les titres, Abou-Mama, ben, je vais te mettre ton titre. Ça, là, voilà, je vais vous mettre ça. Et cela. Allez, va niquer ta mère, sale mécréant. Ça sera le titre. Je vais peut-être même le mettre avec l'erreur d'orthographe, les erreurs d'orthographe que tu as commis. Pour une fois. Dani. Voilà, Dani. Lui, il prétend s'inspirer de Dieu, mais il n'a rien à voir avec Dieu. Et toi, tu te prétends t'inspirer de quoi? De la démocratie, des droits de l'homme, du civisme, de l'athéisme, de quoi? Ben, si tu te prétends de n'importe quelle chose, s'il te plaît, à un moment donné, tu dois avoir un minimum d'honnêteté et un minimum de volonté d'approfondir. Approfondis ton sujet avant de parler, s'il te plaît. C'est le minimum des choses. C'est vraiment le minimum. Approfondis au maximum le sujet et après, viens parler. Ça marche? Envoie-moi ton numéro de téléphone et on parlera le temps que tu veux. Et tu verras, Inch'Allah, que tes raisonnements, malheureusement, ne tiennent pas. Ça marche? Dans la joie, le respect et la bonne humeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.